quitter nos familles, mais excités à l'idée de voir la neige et les montagnes. Dans le car, nous avons joué à certains jeux de cartes, double, uno, cette famille, et puis nous avons mangé quelques bonbons. Nous nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute pour manger un léger pique-nique. Avant de nous endormir, nous avons regardé un film. À 2h du matin, nous avons changé de chauffeur. Le matin, nous nous sommes arrêtés pour la pause petit déjeuner avant d'arriver au chalet. Nous sommes partis de Plomodierne, puis nous sommes passés par Quimper, Vannes, Nantes, Angers, Tours, Bourges, Moulins, Mâcon, Bourg-en-Bresse. Nous avons parcouru 1066 km jusqu'à la chapelle d'Abondance. 9 départements ont été traversés par notre car feuillant et 4 régions. La chapelle d'Abondance se trouve en Haute-Savoie et est traversée par la Drance. Les sommets qui l'entourent sont le mont de Grange, le mont Chauffé et les cornettes de Bise. Par beau temps, on peut apercevoir le mont Blanc. On a aidé à sortir les valises du car, puis on a mangé et pendant ce temps, les parents ont monté les valises au 4e étage. C'était difficile pour eux. Quand nous avions fini, nous sommes allés dans nos chambres qui se trouvaient au 4e étage. Puis nous avions pris nos valises, ensuite nous nous sommes arrangés pour les étagères et la lit. Jeudi après-midi, nous avons choisi le matériel de ski. Bâton, casque et chaussures de ski inconfortables. Pour faire notre première séance de ski le lendemain. Pour la première fois, nous avons mis nos combinaisons, des gants, bonnets et écharpes. Nous sommes partis voir où nous étions situés, puis nous sommes allés voir nos matériels de ski pour le lendemain. Nous sommes partis pour jouer dans la neige. Nous avons fait des batailles de boules de neige, des bonhommes de neige et nous mettre dans la neige. Le paysage était magnifique. Le dîner du 16 janvier s'est terminé avec un succulent gâteau avec 10 bougies en mon honneur. Tous les enfants ont chanté en chœur « Joyeux anniversaire ». Hervé a coupé le gâteau en 28 parts. J'ai servi le gâteau et de la part de tout le monde, j'ai reçu une marmotte en peluche. Le premier jour a été difficile pour certains, mais ça s'est bien passé les autres jours. Le tire-fesse était difficile pour certains. Nous avons skié 6 jours. Nous avons fait plusieurs pistes. Piste verte comme l'ourson, la marmotte. Piste bleue, piste rouge comme le loup. Certains ont fait la piste du husky. Il y avait deux groupes, le groupe des débutants et le groupe des non-débutants. Le groupe des non-débutants était animé par Patrice
et le groupe des débutants était animé par Hervé le moniteur. Maintenant que nous maîtrisions les montées en télésiège et en téléski, nous allons prendre la télécabine. Pour y monter, il fallait être réactif. Nous avons essayé de nouvelles pistes. La télécabine était grande. Elle avait 6 places. À l'intérieur, c'était très mouvementé. À chaque fois qu'on passait sur les rails de lancement. Pour
avancé, nous avons fait le trajet jusqu'au champ. Ensuite, nous avons fait des bonhommes de neige ainsi que des constructions. Après, nous avons fait de la luge en sac poubelle. Nous nous sommes bien amusés. Par contre, il fallait monter la pente. Quelques chutes très rigolotes. Nous sommes partis dans l'atelier de Monsieur Mouton. Nous avons retenu des mots comme tranche cahier, caillure. Monsieur Mouton a 10 vaches de race abondancière. Monsieur Mouton nous a expliqué comment fabriquer le fromage. Et il y avait un miroir pour que nous puissions voir ce qu'il fait. Le lait sort du pis de la vache à 38 degrés. Quand il arrive dans le chaudron, il est à 35 degrés. Tout d'abord, il faut cailler le lait. Avant, on utilisait la caillette, le quatrième estomac de la vache. Monsieur Mouton a décaillé avec le tranche de cahier, puis il a brassé. Après quelques minutes, il a récupéré avec l'étamine, il a aplati le fromage avec le pressoir, puis il a moulé pour aller direction la cave d'affinage pour y fabriquer la croûte. Le fromage a une forme concave sur les côtés. Une fois qu'il est prêt, on met du sel d'un côté tous les jours, après de l'autre côté, et comme ça pendant 100 jours. En fin d'après-midi, nous sommes allés participer à la messe à Châtel. Nous avons été accueillis chaleureusement par le père Philippe qui nous a appelés les petits Bretons. Nous avons fait une prière et quelques chants religieux. La crèche était très jolie. Le samedi soir après manger, nous avons fait connaissance avec Patrick, le conteur. Nous nous sommes mis dans le noir éclairé uniquement par 3 bougies. Il nous a demandé si nous souhaitions entendre une légende, une histoire ou une histoire vraie. Nous avons choisi une histoire vraie, mais qui ressemblait terriblement à une légende. Il s'agissait de la chèvre sur le pont de Nanfay. Que je vous ferai un plaisir, moi Zoé, de vous raconter qui, si vous le voulez. Il a enchaîné avec l'histoire de Gabi, la grand-mère skieuse qui a découvert le supermarché, de la luge en bois de marque et enfin de la marmotte peau de colle prénommée Miu Miu et qui parle réellement. Nous sommes ensuite allés nous coucher directement avec notre quota d'histoire. Nous sommes partis en sortie raquette accompagnés d'Hervé et David. Nous nous sommes ensuite rendus sur l'Ubac, c'est le côté à l'ombre. Nous nous sommes arrêtés quelques instants pour étudier les sortes d'arbres et comment les reconnaître. Quelques glissades ne font pas de mal. Puis nous avons pris un goûter et nous avons expérimenté l'instrument à utiliser en cas d'avalanche. Et nous avons fait le retour. Patrick, qui était venu nous lire les contes, est revenu quelques jours après pour le jeu de la montagne. Il y avait de grands plateaux et un dé. Le but du jeu était de placer le plus de cartes sur le plateau. On lançait le dé, si ça tombait sur 1, 2 ou 3 ou 4, il fallait prendre le nombre de cartes. Si ça tombait sur un point d'interrogation, on posait une question du niveau qu'on voulait. 1, 2, 3. Et doublait le nombre si on voulait. Et si on tombait sur le E, on lisait un petit texte et si on avait un végétal ou un animal qui était dans le texte, il fallait l'enlever du plateau. Patrick nous a fait découvrir la faune et la flore de la montagne. Nous avons par exemple appris que la femelle du chamois s'appelle l'étagne. En fin d'après-midi, nous sommes allés à Châtel. Ça permettait aux enfants de découvrir une nouvelle station. La visite s'est faite en plusieurs groupes de 4 ou 5 personnes. Des groupes ont pu déguster du saucisson ou du fromage. Nous avons vu un magasin nommé Beethoven, devant lequel se trouvait un Saint Bernard avec qui nous avons posé.
Arrivés sur les lieux, nous avons observé les oiseaux. Canard à col vert, le héron cendré. Ensuite, nous avons commencé la visite. Le premier groupe a commencé par aller voir un film. Et le deuxième a été dans une guérite. Il y a plusieurs espèces de poissons. Le ferra, la lotte, la perche et le brochet aussi. L'écrevisse californienne y a été introduite accidentellement. Nous avons vu un pêcheur entrer de la pêche. Il s'est levé à 3 ou 4 heures. Nous avons vu des oiseaux empaillés et en dessous, il y avait différentes espèces de poissons. Il y a plusieurs étapes de fabrication de cette bouteille d'eau minérale 100% pure de composition constante. L'usine a été créée en 1965 et est en rénovation depuis 2 ans, jusqu'à 2018. L'usine ne s'arrête jamais. Nous devons boire 6 grands verres d'eau par jour. Les bouteilles d'Evian voyagent énormément vers plein de pays dans le monde. D'ailleurs, l'usine possède ses propres voies de chemin de fer. 60% de la production quittant l'usine par le train et 40% en camion. L'étiquette de son logo a changé à plusieurs reprises. Nous sommes allés au château de Ripaille qui se situe sur le bord du Léman. On nous y a parlé de la famille de Savoie et de Amédée 678. Nous avons vu que le château a été construit grâce à Amédée 8. Qui construisit ce château qui avait à l'origine 7 tours, pour 7 moines. 2 des tours ont été totalement détruites lors d'un incendie causé par les armées protestantes de Genève. Une autre dont il ne reste que des ruines et les 4 autres ont été rénovées par la famille Engelgros. Nous avons aussi vu les vignerons et le matériel pour en faire du vin, et aussi des objets d'époque. Nous avons terminé par la visite de l'intérieur du château. L'après-midi du 22 janvier, nous sommes allés visiter l'abbaye d'Abondance. L'abbaye est composée d'un cloître, d'une église et d'un monastère. Nous avons d'abord commencé par visiter l'église. Nadège, la guide, nous a expliqué que les statues étaient non en pierre, mais en bois. Le plafond était peint avec des anges. Après, nous sommes allés visiter le cloître. Au plafond, il y avait quelques signes du zodiaque, poissons, vierges. Sur les murs, il y avait des peintures déteintes par l'humidité. Le cloître était de travers, car à l'époque, il n'y avait plus de pierres pour construire les maisons. Alors, ils ont pris les pierres qui tenaient les piliers. Après, nous sommes allés visiter une partie du monastère. Nous avons vu la maquette de l'abbaye. Nous avons aussi vu l'emploi du temps du moine. Après, nous avons vu sa chambre. Il dormait sur un matelas en paille. Enfin, nous avons fait un jeu de piste. Il y avait plusieurs étapes. À un moment, on devait chercher dans l'église, après dans le monastère et enfin dans le cloître. À chaque étape, Nadège nous donnait un indice. Il y en avait 3. À la fin, on devait trouver un ange. Pendant la nuit, quelques-uns n'ont pas dormi. Le lendemain, c'était le stress total. Les moniteurs nous ont fait faire des slaloms délimités. C'était assez rapide. Nous avons tous fait la piste de l'ourson. C'était fabuleux. Sinon, ça s'est bien passé.
nuit du 23 janvier, nous sommes allés voir la maison du Val. Nous avons évoqué les 6 villages de la vallée. Châtel, Chevenos, Vacherès, Bonnevaux, la chapelle d'Abondance. Abondance. Nous avons parlé du Bac et d'Adret. Le Bac est le côté sombre, l'Adret est le côté ensoleillé. Nous avons vu un film sur l'agriculture dans la vallée et nous avons observé la cave d'affinage du fromage d'Abondance. Le matin du départ, nous avons marché un petit peu vers la boutique des souvenirs. Nous avons eu le choix dans un souvenir entre des doudous comme des chameaux, des marmottes, des doudous qui font du bruit, des porte-clés, des couteaux suisses, des bracelets, des stylos, des crayons gris. On devait poser nos gants dans un panier près de la porte. On devait mettre des souvenirs dans un panier en osier. La seule chose qui n'a pas été très facile, c'était de calculer les prix. À la caisse, les souvenirs ont été mis dans un carton pour aller dans la soute. Nous avons pu récupérer les souvenirs arrivés à Plomoderne. Le dernier jour, nous sommes allés nous promener dans la station. Nous avons fait un concours organisé par JR, notre chauffeur. Tous les élèves devaient faire une course jusqu'à faire tomber la houille dans la neige. Ensuite, nous sommes allés près de l'église pour voir la colombe offerte par Plouévin. Ensuite, nous sommes allés dans l'église et nous avons vu les étapes de la passion de Jésus. À la fin, nous avons été sur le marché. Right.
à l'exposition à la Maison des Sœurs qui s'intitule « Skivala ». Nous avons parlé de l'histoire du ski. À l'époque, ça ne servait pas à s'amuser, mais ça sert à ne pas s'enfoncer dans la neige pendant la guerre. Ensuite, nous avons vu comment fabriquer des skis en bois. Après les skis en bois, il y a eu ceux en fer. Suite à ces explications, nous avons vu la médaille de bronze d'un Français qu'il a obtenue aux Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984. Nous avons vu la mascotte des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Elle s'appelait Magique le Lutin. Après, nous avons fait un questionnaire sur tout ce qu'on a vu. C'était trop bien. Puis, nous avons fait la remise des médailles pour les trois groupes ayant répondu le plus rapidement. Nous étions aussi stressés qu'impatients et quand les moniteurs Patrice et Hervé sont arrivés, le stress était monté assez haut. Ils nous appelaient par notre prénom et en même temps qu'ils nous accrochaient notre médaille. José était photographe. Elle photographiait les élèves quand les moniteurs nous remettaient notre diplôme. Flocon, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. Après tout ça, nous avons pris un apéritif pour remercier les moniteurs de nous avoir appris le ski. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Avec Hervé, nous avons fait des comptes rendus presque tous les soirs, des exercices en lien avec la montagne, et nous avons parlé de la journée. Nous prenions le goûter dans la classe. Avec José, nous écrivions les cartes que nous avons envoyées à nos familles, aux personnes de l'école et aux bénévoles. Le dernier jour, nous avons fait un pendu, joué au petit bac, en attendant la visite de l'expo à la Maison des Sœurs. Chaque repas était plus ou moins bon. Les repas que nous avons le plus aimés sont la raclette, la fondue, la tartiflette et les frites. Le repas qui n'a vraiment pas été apprécié par la majorité de la classe a été les aubergines grillées. Lors des repas, il y avait un parent responsable de chaque table. Pendant les repas raclette, c'est Laoui qui gérait le fromage. Sandrine, la patronne des lieux, nous a montré une vipère coincée dans une bouteille d'alcool pour les parents qu'on appelle l'eau de vie.
Ça s'est bien passé. Notre chambre était dirigée par la WIC. Pour certains, les lits étaient bruyants. Il y avait des douches dans toutes les chambres. Il n'y avait plus d'eau chaude dans notre chambre au bout du 8e jour. Notre chambre sentait une odeur désagréable. Nous étions très heureuses de partager notre chambre à 6. Le soir, nous avons joué au Mikado, aux 7 familles et au Uno. La nuit, nous avons été dérangés par la cloche de l'église qui était tout près du chalet. Nous prenions nos douches à 2. Il y avait un lit à étage. Nos bons souvenirs sont quand nous avions le temps de repos l'après-midi et le soir nous racontions des secrets. Quand nous faisions des batailles de polochon, quand on partageait nos bonbons et quand on n'arrêtait pas de rigoler toutes les 6. Nous étions la chambre des 6 garçons. Nous avons joué avec Robert le lapin. Nous sommes amusés à jouer à Uno, de balles et à faire des réussites. Nous avions beaucoup de bonbons. Ils étaient si bons. Pour s'amuser, nous éteignions la lumière pour ceux qui étaient dans la douche. Notre responsable de chambre était Patrick. Nous étions une chambre de 5 filles. On s'amusait très bien. Nous jouions à des jeux de 7 familles par exemple. Nous discutions beaucoup de la journée du ski des visites. On prenait nos douches par 2 ou seuls. Les lits étaient assez confortables, on dormait assez bien, mais le matin c'était assez difficile de se lever.